souris. Allez-y, ah oui, mettez. Ça, c'est bien. Promotion avec 30 centimes de réduction des huiles sur l'achat d'un paquet. C'est plutôt sympa, j'ai pas encore goûté mais on apprécie. J'ai raison à domicile, en plus c'est impeccable. C'est impeccable. Tous les jours comme ça, ça c'est pas. Tu as dit merci monsieur. Bonjour messieurs dames, venez, vous pouvez offert. Allez, et voilà. Et voilà pour vous. Alors si vous pouvez faire la queue de ce côté-là, tous ensemble, comme ça tout le monde en aura, ça ira plus vite pour tout le monde. Très gentil parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, il y a des vagues et donc voilà, on est récompensé. Et en plus c'est délicieux. Que j'en ai mangé, j'étais déjà toute petite et que c'est toujours aussi bon. C'est bon pitch. Hein, bah, merci de nous donner des petites brasures. Merci, c'est super. C'est lui qui vous offre. Oh bah c'est un amour, hein. Il parle qu'il fait de bonnes choses. Hein. Nous nourrissons exclusivement de pitch. Et regardez ses corps d'athlète. Vive Pitch. Bonnes vacances. Est-ce que vous êtes contents d'être au club Mickey, les enfants? Oui! Est-ce que vous voulez avoir des cadeaux? Oui! Est-ce que vous voulez manger des brioches Peach? Oui! Yeah, dodo! Oui! Yeah, dodo fin! Thank you.
n'ai pas remis. J'ai gardé mes deux pitchons là. Et comme ça, j'ouvrirai deux fois plus. Et quelquefois, ils nous ont donné deux à la place de un. Tu sais pas? On n'a jamais appris. Voilà, avec le pitch. Merci. Plus pour un. C'est excellent. C'est un bon produit. Pisco Popil, ça sent sa brillance. Mets dans ta poche un pitchou de. Moi, je suis venu déjà il y a deux jours, ici à Carrefour, et je me suis permis, j'ai acheté deux paquets de pitch, un au coin, l'autre c'était au chocolat, et sincèrement, les enfants, ils ont apprécié. Eh bien, bonjour, pitch. Car elles sont speech. Pitch. Hein? Franchement, ils étaient très contents, la preuve, en l'espace de 3 heures, ils m'ont tout liquidé. Et on prend toujours ça, c'est impeccable, c'est un bon produit. C'est trop bon, les pitch. Je sais pas ce qu'il fait des muffins.
on est mal. Oui, ben je sais. Doré, croustillant, moelleux. Tiens, goûte-moi ces pancakes. Maman, tu me prêtes ton portable? Mon portable? Mais tu vas appeler qui? Personne. C'est pour jouer au grand jeu Pitch. Tiens, regarde sur le paquet. Cet été, avec Pitch de Brioche Pasquier, joue au grand jeu SMS Pitch and Play et gagne des milliers de cadeaux. Bonjour, je m'appelle Anthony, voilà, je suis représentant chez Deco pour la marque Pitch. On fait toute la tournée des plages, donc l'ouest de la France, en partant du nord jusqu'au sud. Nous distribuons à peu près 2500 brioches, enfin beignets plutôt, particulièrement par jour. On a 24 villes étapes. Ça part, on peut dire, comme des petits pains, les gens se les arrachent. Plutôt le matin, les marchés, donc de 11h à 13h, voire 14h. Et l'après-midi, plutôt les plages, l'heure du goûter, les moments où les gens les ardent un peu, on se laisse un peu plus aller, quoi. Moi qui ai l'habitude de faire des opérations événementielles, c'est une des premières fois que je vois autant d'engouement. Enfin, ça se met dans l'ambiance vacances, en fait. Y a pas, on n'est pas là comme une pub, on en plaisante avec eux dans le sens pub ambulante, mais c'est vrai que en fait, ça vient presque de soi, en fait. Ils viennent chercher leur petit goûter, ils sont sur la plage, ils sont contents. Voilà, ça se fait très simplement. C'est pas quelque chose de lourd, ça reste quelque chose de très chaleureux, de très joyeux. Et tout simplement, c'est un objet électrique. Donc voilà, qui a à peu près, je crois, 40 à 50 km d'autonomie. Donc pour nous, c'est largement suffisant dans le sens où maximum, on va faire 20-25 km par jour. Le T3 fait fureur. La plupart du monde vient nous voir, vient nous demander qu'est-ce que c'est que cette berge. Hein. Je crois que la police de Los Angeles s'en sert, mais en tout cas en France, c'est assez nouveau. Ils sont tout le temps surpris. C'est très rare que les gens nous laissent passer comme ça, comme si de rien n'était. Non, ils sont très très surpris. Du coup, ils nous abordent parfois d'abord par la machine, ce qui nous amène donc au produit, ce qui rend justement, comme je disais tout à l'heure, les choses beaucoup plus simples. Et aussi, du coup, on élargit un peu la cible par ça. Donc les papas vont plus s'intéresser au T3 et puis du coup, voilà, on va discuter du produit. C'est effectivement écologique, qui peut forcément que plaire aux gens et donc qui peut forcément que apporter une bonne image pour la marque qui est dessus. Quoi. Peut-être mettre un petit peu plus d'animation, peut-être un petit poste ou de la musique qui anime un peu les choses et qu'on puisse nous écouter et nous voir venir un petit peu plus loin, parce que là c'est un contact direct. C'est peut-être le côté un peu plus ludique, parce qu'on distribue les bons et souvent les gens pensent que c'est un truc à gratter ou un jeu. On est obligé de leur dire que c'est un bon et en fait ils sont dans une idée de jeu, pitch and play. Mais essayer de vraiment plus cibler les populations à même de consommer ce produit. La région Aquitaine, c'est à peu près 700 km de côte, trois pôles commercialement. Le premier correspondant à des villes telles que La Rochelle, Royan. Le second, le bassin d'Arcachon, les Landes. Et le troisième, Anglet-Bayonne. On a ciblé sur la saison été 90 magasins. C'est des magasins qui sont donc ultra saisonniers, donc avec un fort potentiel pour le développement de chiffre d'affaires sur la saison. Donc ce sont des magasins stratégiques, donc c'est des magasins qui sont situés très proches des campings. Un objectif de plus 7% sur l'ensemble de la gamme Pitch. Sur la région Aquitaine, on réimplantait à peu près 20 magasins. Le deuxième levier d'action pour réaliser ce chiffre, c'est la négociation de mise en avant, négociation de TG, allée centrale. À aujourd'hui, on a 500 palettes de mise en avant négociées sur l'ensemble de la région. Et le dernier levier en point de vente est la réalisation de l'animation parking.